À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'actualité, c'était les soldes ce matin, troisième semaine. Et puis, un peu aussi... C'est la fête pour tout le monde. Et là, je viens de lire un bel article qui dit merci au football français. Et on remercie aussi les bénévoles dans les petits clubs qui forment la jeunesse. Et on a le résultat aujourd'hui, c'est bien. Et le défi du jour, c'était de trouver l'équipe. Rien, plus un exemplaire, Collector, l'édition du 16 juin 2018. Il y a même eu un monsieur qui nous en a pris un, qui voulait l'offrir à son petit-fils, qui a moins d'1 an. Et voilà, en souvenir, pour son journal de vie. Dans la rue, on devinait à quelques détails qu'il s'était passé quelque chose d'important. Qui tu supportes ? Lloris, mais bon, il a raté quelque chose hier. Moi, je préfère Mbappé. Au niveau national, c'est vrai que ça crée une unité qu'on a rarement. Là, on a eu l'unité auprès des attentats, sur des moments de deuil. Mais des unités nationales sur des moments festifs, on n'en a plus. Il n'y a que le sport qui permet ça. Et sur la plage, on jouait au ballon. Bon, rien d'étonnant, sur la plage, on joue toujours au ballon. Tout simplement, on se détend, on est en vacances avec la famille, donc on profite aussi du mondial en vacances, et puis on en profite pour imiter un petit peu nos joueurs préférés. Oui, avec mon garçon, c'est obligé, à la plage. Mais c'est sûr que le mondial, ça donne plus envie. Vous avez regardé ? Oui. Vous avez eu du mal à vous lever ce matin ? Un peu. Enfin, relativisons, sur la plage, le ballon n'est pas prêt de remplacer la sculpture sur sable, dont les championnats d'Europe ont lieu en ce moment en Hollande. Vous le saviez ?